Public People News People Amandine Petit balance ce que Sylvie Tellier lui a interdit de faire sur son physique. Instagram Miss Française 10 février. Amandine Petit était l'invitée de Maxime Guény, dans l'émission Un éclair de Guény, diffusée sur VL Média. Le 19 décembre dernier, Amandine Petit a remporté la couronne de Miss France 2021 au terme d'une cérémonie qui s'était tenue au Puy du Fou. Ce soir-là, la reine de beauté expliquait au jury d'anciennes Miss comment elle imaginait la femme moderne d'aujourd'hui. La Normande expliquait en effet, lors de la présélection, « Je me suis présentée avec une coiffure cheveux en arrière, toute simple, mais qui rend une femme aussi élégante que d'avoir de belles boucles ou que de ressembler à une princesse. » La femme moderne, c'est une femme forte qui défend de belles valeurs et aujourd'hui, en étant là présente devant vous, j'incarne cette femme moderne qui montre à quel point nous allons de l'avant. Désormais salariée de la société Miss France, si la protégée de Sylvie Tellier a le droit de se coiffer comme elle l'entend, elle est tenue de respecter une règle qui va de soi. Dans l'émission Un éclair de Guény, diffusée sur VL Média, ce 10 février, Amandine Petit raconte en effet que la seule chose qu'une Miss France n'a pas le droit de faire est de se colorer les cheveux. Et pour cause, la blonde comprend, les gens m'ont élue avec ce visage-là, et je ne peux pas changer de tête complètement et me dire, demain, je me rase les cheveux, ou je me mets rousse. F. à Miss France.